la deuxième épreuve de l'UCI World Tour en Amérique. Le Grand Prix cycliste de Montréal, dimanche 10h à TVA Sports. Et vous le savez, ce sont plusieurs équipes qui s'élancent dans le but de remporter l'événement aujourd'hui. Donc, c'est à 10h, ce sera présenté à TVA Sports. Évidemment, vous pouvez vous déplacer sur place si vous êtes dans la région de Montréal. Il y a une de ces équipes qui s'appelle Novo Nordisk et qui a une particularité. J'en parle avec l'ambassadeur de l'équipe, Quentin Vallin, qui est avec nous. Bonjour, Quentin. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est cette particularité de cette équipe? Le team Novo Nordisk, c'est tout simplement la première équipe composée uniquement de coureurs cyclistes diabétiques de type 1. De type 1 quand même, en plus. OK. Et donc, ils ont tous le diabète de type 1? C'est ça, exactement. OK. Et pourquoi avoir créé une équipe de la sorte? La mission de l'équipe, c'est d'inspirer, d'éduquer et aussi d'encourager les gens qui vivent avec un diabète partout dans le monde. D'accord. Et comment ça se fait rouler avec... Puis en plus, le trajet de Montréal est particulièrement exigeant. Ça se fait comment avec le diabète de type 1? Comment on peut gérer ça? C'est une très bonne question. Dans le fond, ce qu'on demande à un sportif de haut niveau, c'est d'avoir une très bonne hygiène de vie. Et ce qu'on demande à une personne qui vit avec un diabète de type 1, c'est également d'avoir un bon mode de vie. Donc l'idée, c'est de montrer qu'avec l'exercice et une bonne hygiène de vie, on peut avoir des rêves et on peut les réaliser. Et est-ce qu'ils doivent faire quelque chose en particulier durant la course, durant le trajet, vu qu'ils souffrent de diabète de type 1 ou non? Oui, bien évidemment, il faut rester rigoureux, il faut sticker sur ses objectifs, bien évidemment aussi. C'est-à-dire qu'on va définir une zone de taux de glucose et en fonction de cette zone-là, si on monte ou si on descend, on va ajuster les choses en fonction de ça. Mais ils sont bien équipés littéralement médicalement parce que Novo Nordisk, c'est une compagnie médicale, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. OK, alors ils ont tous les gadgets là, pour les aider durant leur course. Alors le team Novo Nordisk, c'est vraiment l'équipe de vélo. D'accord. De cyclistes professionnels. OK. Est-ce que c'est une équipe qui est compétitive ou c'est symboliquement une équipe qui a le diabète et qui veut faire la promotion de la bonne hygiène de vie? Alors, c'est bien évidemment une équipe qui est compétitive. Oui. Quand on prend le départ d'une course, c'est pour gagner. Après, sur des courses comme ici, comme vous le disiez juste avant, c'est l'élite mondiale, c'est les meilleurs au monde qui prennent le départ de cette course-là. Donc, on est là aussi pour apprendre, pour prendre les échappées, pour voir ce qu'on peut y faire. OK. Et aujourd'hui, quand on va suivre la course, l'équipe Novo Nordisk, bon, d'abord, je pense qu'on a aperçu un peu les couleurs de l'équipe. Sinon, quel nom on doit retenir particulièrement dans cette équipe-là? C'est qui votre premier cycliste, je vais l'appeler ainsi? Tous les coureurs ont leur chance. Sur le Grand Prix Québec, avant-hier, David Lozano, notre Espagnol, est parti dans l'échappée. Peter Kuster est arrivé premier de l'équipe, notre Hongrois. On peut aussi penser à Mathias Kopecky. Mais voilà, aussi Emich, Sam... Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent à votre rencontre, qui ont le diabète et qui se déplacent et que ça fait des échanges hyper intéressants? Oui, et c'est ça qui est fantastique. Je vous disais que l'une des missions du team Novo Nordisk, c'était d'inspirer. Et finalement, c'est nous qui sommes les plus inspirés quand on rencontre ces gens, leurs familles, et qu'on peut discuter avec eux, qu'on peut échanger à propos du diabète, mais aussi à propos de nos histoires. Ah, c'est super intéressant. Et sinon, Montréal, la course, vous en pensez quoi? La différence avec Québec aussi? C'est plus dur. Vous en parliez également tout à l'heure, c'est plus dur, ça grimpe un peu plus. Ça ne va pas être le même genre de cycliste qui va gagner la course, à mon sens. Mais par contre, c'est une très belle course et j'ai hâte de voir le résultat. Eh bien, on sera avec vous et on va suivre particulièrement l'équipe Novo Nordisk dès 10h à TVA Sports. Quentin Vallin est ambassadeur de l'équipe. Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Merci.